Bonjour à tous les amis, alors je suis en vacances comme vous pouvez le voir. Vice est là également, elle est partie dans son pays en Bulgarie. Et puis voilà, donc j'ai dit je vais rajouter quand même une petite vidéo où je vous explique tout ça parce que bah voilà, vous dites elle a disparu, elle ne veut plus faire de vidéos, voilà, pour nous parler, pour communiquer, mais c'est vrai que. Je trouve ça bien aussi de temps en temps, comme je vous l'avais dit, de poster voilà, juste du chant, juste une vibration en continu, dans un même élan. C'est pour ça qu'il y a aussi un peu du texte. Des fois, ça me vient en canalisation comme ça, des mots, des phrases qui sont reçues pour être transmises, en l'occurrence à vous. Voilà, et puis du coup, voilà, j'ai demandé, posé l'intention qu'il y ait une aide pour mieux recevoir les ajustements qui sont pas toujours faciles à, comment dire, je dirais pas à subir, mais enfin, c'est un peu ça aussi, c'est que des fois, il y a besoin d'un soutien pour que les ouvertures se fassent, que les passages soient opérés en toute souplesse. Alors là, ici, à la mer, on surfe sur la vague, mais c'est un peu ce qui nous est demandé parce qu'il y a des montagnes russes. Voilà, j'ai choisi des estampes japonaises pour illustrer ces moments comme ça de paix intérieure, de pause au milieu du tumulte. Bon, il y a beaucoup de choses à dire sur les estampes, mais en tout cas, c'est vrai que ce sont des images d'une puissance incroyable où rien n'est laissé au hasard. Il y a vraiment la place du vide, notamment comme on le sait dans la culture chinoise ou japonaise, il y a comme le yin et le yang, c'est pareil, il y a le vide et le plein, et c'est très subtil, et il y a la circulation aussi qui est possible entre eux en permanence dans une dynamique. Donc les estampes en l'occurrence sont surtout des paysages, et puis il y a deux personnages, donc j'ai trouvé que ça correspondait bien à ce qui m'a été transmis comme message à travers le chant et des paroles. Voilà, donc je vous dis la prochaine destination, ma prochaine destination de vacances, je vous referai un petit coucou parce que j'ai quelque chose à vous révéler par rapport à cette destination-là, justement. J'ai un projet, donc voilà. Et j'aime partager avec vous toutes ces belles évolutions, toutes ces étapes de vie. Alors là, je vous dis bah, bonne écoute. Je ne vais pas être trop longue parce que, apparemment, le temps menace, la pluie arrive et elle est déjà un peu là. Et en fait, c'est plutôt génial parce que dans le sud, là, il fait vraiment très très chaud, comme à beaucoup d'endroits. Et on sent que, voilà, là, il y a quelque chose qui se passe. C'est dans les conjonctions aussi cosmiques, hein, puisque là nous avons cette nouvelle lune qui est très importante, fondamentale et qui est, comment dire, aimantée aussi par cet alignement entre Uranus et Mars, et que l'on ressent, dans cette tension que l'on ressent depuis le début du mois de juillet, en l'occurrence. Et vous me direz, oui, oh, ben, ça fait plus longtemps que ça. Qu'il y a une tension dans l'air, ça c'est clair, je ne vous le fais pas dire. Bon, en tout cas, je vous souhaite de très bonnes vacances aussi quand vous y serez ou si vous y êtes déjà. Plein de belles choses et je vous dis à très vite avec toute mon affection. Allez, bisous, au revoir. Besoin de paix intérieure. Sat Narayan, Sat Narayan, Sat Narayan, Sat Narayan,
S'ouvrir à recevoir. Voici que vient la nouvelle lune du 28 juillet de l'an 2022. Nous accueillons en particulier, en priorité, sa douceur. La douceur que Vénus nous incite à garder, à couver dans l'amour apaisé, dans l'amour ruisselant de bonté. Au beau milieu du tumulte, je suis enracinée, droite comme un i, mais souple, ô combien serpentine et suave. Je reçois et vous recevez les codes d'évolution, les bienfaits de lumière, tous ces petits ajustements subtils qui sont là pour la couvaison de l'enfant neuf, de l'enfant facétieux, joyeux qui s'en vient. Ensemble, dans la pleine beauté de ce mois de juillet, de cet été, en connexion avec la nature qui reste ce qu'elle est, qui reste en connexion de cœur à cœur dans l'unité du vivant. Nous recevons la grâce de ce chant.
L'amour est apaisé, l'amour n'est pas de ces passions confuses. Aujourd'hui, cette Vénus-là nous invite, nous exhorte à lâcher toutes ces véhémences, toutes ces turpitudes vaines. Elle nous rappelle, qu'as-tu choisi? Pour quel amour, quelle sorte de gratitude, de don, de bonté as-tu opté? Viens le dire, viens le chanter, la coupe reçoit. Et la voix, tout en douceur, avec un ménagement infini, fraye un chemin en nous pour toutes ces énergies enrichissantes, foisonnantes, qui se diffusent au mieux.